Hello, hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi, c'est le premier jour des vacances. Ouais! Enfin, en fait, c'est le jour des vacances des enfants, le premier jour. Donc, c'est le dernier jour des vacances des mamans. Voilà, non, je rigole, ils sont mignons quand même. Ils chamaillent parfois, mais ils sont mignons. Alors, en fait, je voulais commencer le vlog dehors, mais je suis pas sûre qu'on m'entende très très bien. Je vais mettre là, je vais voir si ça passe. Là, ça a l'air d'être tombé un petit peu. Parce que je voulais montrer quelque chose. Et aussi, je profite de faire ce vlog pour vous donner des nouvelles un petit peu. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué. Pour la simple et bonne raison que j'avais ma belle-maman à la maison pendant une semaine. Et qu'on a profité aussi que le loulou ait fini quelques jours plus tôt que ma puce, l'école. Donc du coup on s'est promené, pardon, je vais y arriver, oh là là, pourtant c'est un moment que je suis levée ce matin. Donc on s'est promené un petit peu, on est allé manger des glaces, on est allé voilà voir des jolis endroits, etc. Et belle maman n'avait pas forcément envie de vlogger, hein, parce que voilà, ça se comprend. Du coup je ne vous ai pas pris avec parce qu'on était en famille, mais là c'est bon. On est tous les trois en vacances, façon de parler, puisque le papa n'est pas encore en vacances. Mais voilà, déjà on est tous les trois à la maison, donc c'est sympa. Et oui, je voulais en fait commencer ce vlog, s'il n'y avait pas eu autant de vent ce matin, c'était pour vous montrer que j'avais mis mon fauteuil là, dehors. Et pour la simple et bonne raison que les seuls soldes que j'ai fait pour le moment, eh ben, c'est tout simplement de racheter un fauteuil, mais rose, exactement le même, parce qu'il était vraiment vraiment pas cher en solde. J'ai payé 49 € chez Maison du Monde, et voilà, du coup j'ai mis le verre dehors, et du coup maintenant que j'ai mis les deux côte à côte dehors avant juste de le rentrer dans la maison, j'ai envie d'en acheter encore un autre, mais cette fois-ci pour le mettre dehors, pour pouvoir prendre le petit déjeuner sur la terrasse le matin, parce qu'ils sont hyper confortables, que en solde c'est carrément pas cher, et que la terrasse est à l'ombre le matin, ce qui fait que c'est hyper agréable. Donc voilà, mais c'est vraiment le seul achat que j'ai fait depuis le début de ces soldes, parce que dans l'absolu, j'achète pas quand j'ai pas besoin en fait, à moins vraiment de me balader, de tomber sur un truc qui a tombé par terre. Mais ce n'est pas le cas, je ne me suis pas baladée depuis le début des soldes, donc ça ne m'est pas arrivé, ce qui n'est pas plus mal pour mon compte en banque, n'est-ce pas? Et donc sur ce, je vais aller me faire une tête un peu plus potable quand même. J'en profite également pour vous remercier, parce que par rapport à mes cheveux, vous avez été super super adorables. Vraiment, vous avez été ouais super chouette. Vous avez bien compris que mes cheveux c'était un délire et que je cherchais pas ni à ce qu'on me dise que c'est mieux ni que c'est moins bien, mais juste à ce que en fait vous acceptiez que je change au gré de mes envies et de mes humeurs. Et malgré tout, pour la plupart, vous avez trouvé ça super sympa. Donc ça fait quand même toujours plaisir quand ça vous plaît. Mais voilà, ce qui me fait vraiment d'autant plus plaisir, c'est que je n'ai vraiment pas de commentaires de jugement dans le sens c'est mieux qu'avant, c'est moins bien qu'avant. Voilà, ou ça vous plaît, ou ça vous plaît pas. Mais je sais pas trop comment l'exprimer, mais en gros, voilà. Merci, vous avez été méga archi top par rapport à cette nouvelle couleur encore, que je vais garder un petit moment, j'espère que le rose va tenir en fait, mais je dis que je vais garder un petit moment parce que voilà, comme je veux vraiment faire pousser mes cheveux, j'ai décidé d'arrêter les décos en racines pour qu'ils soient plus forts, plus costauds et qu'ils aient du coup envie de pousser encore plus vite, parce que n'empêche qu'ils poussent quand même super vite, je suis quand même hyper contente. Donc voilà, histoire qu'ils poussent en bonne santé et donc plus facilement, c'est vrai que je me suis dit qu'il valait peut-être mieux faire une petite pause. Et puis j'avais envie de tester les racines foncées avec les couleurs pastel, et c'est la bonne saison l'été. Parce que foncer ses racines en hiver, quand on semble un cachet d'aspirine, il n'y a rien de tel pour avoir vraiment l'air malade. Là voilà, je vais essayer de commencer à prendre des couleurs, même si vous savez, je fuis le soleil. Mais ça devrait être pas mal en tout cas, voilà. Ça me plaît. Je peux pas vous dire que ça me plaît plus que le platine, parce que le platine c'est vraiment ma couleur, celle que j'adore au fond de moi. Mais pour autant j'aime le changement, donc chaque changement me plaît, parce que chaque changement a ses petits avantages, a sa petite touche d'originalité, et donc voilà, ça j'aime beaucoup. Bref, assez parlé de mes cheveux, je vais me faire une tête, je vais m'habiller et je reviens, je sais pas quand, mais je reviens comme d'hab. Et me revoici après manger. Alors en fait je me suis habillée mais je me suis pas encore fait une tête, voilà. Mais parce que je me suis mis un tout petit peu d'auto-bronzant sur le visage et sur le corps. Parce que vous le savez vraiment, quand je bronze grâce au soleil, c'est vraiment malgré moi. C'est-à-dire que c'est malgré moi et malgré l'indice 50 que je mets systématiquement quand on va à la plage. Sinon, je suis vraiment du genre à me cacher du soleil. Donc quand je suis un petit peu bronzée en début d'été, c'est merci l'auto-bronzant.
pas le soleil. Le soleil, c'est un petit peu plus tard dans l'été. Alors, du coup, j'en profite pour vous montrer les quelques produits que j'ai reçus dans la boîte aux lettres la semaine passée. Puisqu'il y en avait quelques-uns que je ne vous ai pas forcément montrés sur les réseaux. À commencer par deux nouveautés de la marque Phytomère. Alors, la marque Phytomère, je la connais, mais je n'ai pas forcément testé beaucoup de produits de cette marque-là. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Il s'agit du lait corps ultra hydratant oléo crème. Alors, pour les avoir sentis, l'odeur est juste super. Et là, c'est le gelée, la gelée pardon, corps tonique pour remodeler. Donc, on va vite tester, hein, vu qu'on est en été et qu'on montre les gambettes, pour voir si ça fait un petit effet sympathique au niveau justement peau d'orange, tout ça, tout ça. Si vous connaissez déjà ces produits Phytomère ou d'autres produits de la même marque, surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en pensez du bien, si vous avez été content de cette marque en général. Ensuite, j'avais reçu il y a un petit moment, mais en fait, j'ai pas pensé à vous le montrer, ce fruit infuseur, je vous le dis en français, qui est donc de la boutique Natural Mojo. Je crois que c'est ça le nom de la boutique. La boutique, vous savez, qui m'envoie aussi les compléments en poudre pour les vitamines, les choses comme ça, comme le Berry Boost. Oh, avec la mémoire que j'ai, c'est dramatique d'essayer de me rappeler de ces trucs-là. Donc voilà, c'est une bouteille pour faire infuser les fruits. Et comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore inaugurée, testée. Je trouve plus de mots, c'est pas très grave. Bref, elle est encore comme neuve, il faut absolument que je la teste. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est le système en fait. Alors déjà, voilà, on peut la suspendre. Ensuite, il y a l'ouverture, là, j'arrive à vous montrer. Comme ceci, pour pouvoir boire. Et apparemment, vu le système avec le caoutchouc qu'il y a là au niveau de la partie qui s'ouvre, j'ai espoir que ce soit peut-être bien hermétique et du coup sympa à transporter. Donc quand j'aurai testé à l'envers, je vous en donnerai des nouvelles. N'hésitez pas à me poser la question sous la vidéo d'ici quelques jours si vous voulez avoir la réponse. Ensuite, autre chose que j'ai reçue et que je n'ai pas encore ouvert, il s'agit de ça. C'est un kit soin des pieds, lime électrique, donc avec plusieurs fraises, celle pour râper, celle pour limer les ongles épais, celle pour repousser les cuticules. Enfin voilà, il y a plusieurs embouts qui s'adaptent dessus. Je ne sais pas, ça marche avec des piles, voilà. Vraiment, j'ai pas eu le temps. Quand je vous dis que j'ai pas eu le temps, j'ai vraiment pas eu le temps, il est même pas ouvert. Et sinon, j'ai reçu ce matin un colis. Alors là, je vais vous montrer vite fait. C'est un colis qui vient de chez NYX. Et je voulais savoir si du coup, vous souhaiteriez une vidéo pour faire la découverte avec moi de tout ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai juste regardé comme ça, comme ce que je viens de faire à l'instant avec vous. Mais je n'ai pas ouvert la trousse, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce colis. Donc voilà, si ça vous intéresse, mettez un petit pouce bleu et dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez une vidéo unboxing, colis, NYX, enfin voilà, un truc dans le genre. Et je le ferai pour vous montrer parce que j'ai cru voir qu'il y avait pas mal de nouveautés dans les boutiques qui ont fait l'ouverture. Là, j'ai regardé quelques vlogs, il me semble que c'est Audrey Marchand Marshmallow aussi qui a beaucoup parlé des dernières nouveautés NYX qui me faisaient vraiment de l'œil. Et apparemment il y en a quelques-unes dedans, voilà, mais regarde pas plus Lauriane. Donc si vous voulez en savoir plus, mettez le petit pouce bleu et dites-moi que vous voulez la vidéo. C'est tout, mais c'est déjà énorme pour les quelques produits dont je voulais vous parler. Sinon, je pense qu'on va aller faire un petit tour dans la piscinette cet après-midi. Si c'est le cas, j'essaierai de vous mettre des images pour vous montrer comme ça. Mais je suis pas sûre parce qu'il y a un vent de folie. Mais vraiment, je sais pas si vous allez bien voir. Beaucoup, beaucoup de vent. Donc rien n'est moins sûr. On va voir comment ça évolue cet après-midi. Mais j'ai un petit doute quand même là-dessus. Et sinon, je voulais aussi profiter de ce vlog aujourd'hui pour vous dire que j'avais regardé le premier épisode de Pretty Little Liars saison 7. Qui est pas mal. Qui est pas mal. Voilà, pas transcendant, mais oh, elle me rend curieuse cette série. Même si il y en a marre de leur comportement qui voilà, depuis le temps, elles ont toujours pas appris quoi. Mais bref, c'est pas très grave. J'ai quand même toujours envie de savoir ce qui va se passer. Donc la série est quand même très très bien faite. Je suis également à jour dans les épisodes de Devious Maids. Alors je sais plus c'est quelle saison. Je sais pas si c'est la saison 3, il me semble. Et ça a commencé très très fort et j'aime vraiment cette série, même si j'avoue que les histoires sont un peu tirées par les cheveux, c'est un peu tordu. Enfin, on se dit ouh, on se dit que oui, les gens sont... Voilà, je veux pas faire de spoil. Mais les histoires dans cette série, c'est toujours pareil. On a vraiment l'impression qu'il y a un concentré de gens et d'histoires très tordus au même endroit. Hein. C'est un petit peu comme Desperate Housewives quelque part, tout arrive toujours au même endroit, donc c'est un peu... Mais bon,
C'est frais, c'est rafraîchissant, c'est divertissant. Moi, j'aime toujours beaucoup. Oh, il y a beaucoup de lumière. Et bah, c'est tout. C'est tout pour les séries que je regarde. Il y a Royal Pains, pardon, qui a recommencé. Mais ça, on a du mal à voir les épisodes en sous-titré. Donc, je suis obligée de les regarder en version originale. Et parfois, il y a quand même quelques petites expressions ou quelques petits détails que je ne perçois pas forcément parce que je ne suis pas bilingue. Hein, donc, voilà. Déjà, je comprends le principal. Mais après, les subtilités de la langue m'échappent parfois. Et franchement, j'ai même pas eu le temps de regarder les séries. En fait, je vous dis que j'ai regardé le premier épisode de Pretty Little Liars et que je suis à jour dans Devious Maids. Mais parce que Pretty Little Liars, je l'ai regardé là, tout à l'heure, entre midi et deux. Et Devious Maids, j'ai regardé le 2 ou 3, le dernier en fait, qui vient de sortir. Pareil, entre midi et deux. Sinon, jusque-là, j'avais pas eu le temps de les regarder du tout. Donc voilà, et Royal Pains, je crois qu'il me manque les 3 ou 4 derniers faciles. Bref, c'était tout pour la petite update série. Je pense que je vais arrêter ce petit vlog pour aujourd'hui, étant donné que vraiment, à mon avis, il y a trop de vent et qu'on ne profitera pas de la piscine aujourd'hui. Si jamais c'est le cas, peut-être que je filmerai un tout petit peu pour vous rajouter des images, mais rien n'est moins sûr. De toute façon, c'est pas grave, l'été est loin d'être fini et j'espère que le Mistral ne sera pas là tous les jours, même si c'est quand même le truc ici dans la région. Voilà, le Mistral, c'est aussi grâce à lui que les nuages ne restent pas et qu'on a le grand soleil tout le temps. Avantages, inconvénients, bref, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vous laisse. Je vous envoie plein de gros gros bisous. Je vous redis à nouveau merci parce que encore ce matin, vous m'avez envoyé des petits messages sur Instagram pour me dire que vous adoriez ma nouvelle couleur. Et bah voilà, comme je vous le dis, même si je le fais pour moi, bah c'est toujours sympa d'avoir vos petits mots gentils qui me disent ah moi j'aime bien aussi, nanana. Donc voilà, merci merci merci. Et bah, en attendant la prochaine vidéo, je vous renvoie un gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!